Yo, salut les gars, c'est Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va bosser les bras au poids du corps avec les meilleurs exercices pour avoir des gros bras. Boum! Donc comme d'habitude les gars, je vous le répète encore mais je sais que c'est chiant. Donc pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu, à partager et aussi à mettre un petit commentaire. Vous pouvez également me soutenir sur Utip, vous avez le lien dans la description. Utip permet de me rémunérer avec des publicités, donc c'est plus avantageux que la monétisation sur YouTube qui rapporte que dalle. Vous regardez une publicité sur le lien qui est dans la description et ça rapporte 4 à 5 centimes. Vous pouvez regarder plusieurs et après avec ça, je vais pouvoir m'équiper avec du meilleur matos. Donc pour nous, on va attaquer. Donc, il faut savoir qu'au niveau des bras, vous avez les biceps et les triceps. Les triceps vont tenir plus de place. Donc, les triceps prennent plus de volume sur vos bras par rapport aux biceps. Donc, on va travailler les deux. On va faire une séance biceps et triceps. Comme ça, on va bien s'exploser les bras. Tout ça au poids du corps. Après, vous pouvez bien évidemment le faire lesté pour prendre encore plus de masse musculaire. Et en fonction de votre niveau, si ça devient trop facile, bien évidemment. Donc, moi, je vous passe l'échauffement en speed et on attaque ça tout de suite. Donc nous allons attaquer avec une série de tractions supination. Donc les tractions paume de la main vers soi, traction biceps. Donc vous allez bien faire attention au mouvement. Donc pour réussir des bonnes tractions supination, ce qu'il faut faire, c'est pas uniquement monter la tête au-dessus de la barre, mais c'est monter également les pectoraux. Donc il faut être plus les pecs en avant que passer juste la tête et avoir les pecs rentrés vers l'intérieur pour éviter justement de vous blesser, mais également pour forcer plus sur les biceps. Donc je vais vous montrer ça sur une des barres et on va faire ça. Donc on va partir sur des séries, on va faire entre 10 et 12 répétitions pour travailler donc l'hypertrophie et prendre du volume de la masse musculaire. Et ensuite on va partir sur 3-4 séries avec 2 minutes, 2 minutes 30 de repos en fonction de votre niveau entre chaque exercice du coup. Et donc on fera 4 tours avec 4 séries sur chaque exo. Donc on attaque ça tout de suite, je vous montre les tractions supination. Donc ensuite, on va partir sur les dips. Donc pas des dips classiques, des dips qui vont être gainés et on va partir en avant. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc on se met en position de dips et au lieu de descendre donc droit, on va partir comme si on voulait limite faire une semi-planche, donc bras pliés. Donc je vous montre. Donc là, vous allez sentir le côté des pectoraux et bien évidemment les triceps et un petit peu les pecs. Ensuite, un exercice que de nombreuses personnes connaissent déjà, les triceps extension. Donc un exercice que vous pouvez faire aussi bien avec une barre ou alors vous pouvez les faire également au sol. Donc je vais vous montrer les deux variantes. Donc avec une barre, on reste bien gainé, le ventre rentré, les fesses serrées, le dos surtout, on le garde plat, on ne va pas le creuser. Donc là, vous allez chercher à aller sous la barre avec vos triceps, donc comme ceci. Et vous revenez. Donc plus la barre sera haute, plus ça sera facile et plus la barre sera basse, plus ça sera difficile parce que du coup, vous allez augmenter l'angle et ça va forcer encore plus sur les triceps. Et donc, vous latez encore plus. Feels like I'm drowning. Ensuite, un
un exercice aux anneaux, toujours sur les biceps. Donc vous allez prendre comme si vous faisiez des tractions supination, sauf que vous allez le faire d'un bras et que le bras opposé va partir sur le côté étendu. Donc ça va donner ceci. Donc on descend, on monte et on pousse sur le côté pour l'autre bras. On monte et on pousse. Donc ensuite, un exercice que vous connaissez sans doute tous, les dips sur une barre. Donc le but, c'est de toucher les pecs sur la barre. Vous faites 10, 12 répétitions comme tous les autres exos. Tac. Les pecs ont touché. Tac. Les pecs ont touché. Donc voilà les gars, nous avons fait les 5 meilleurs exercices, je trouve, pour réussir à prendre du volume au bras. Après, bah, bien évidemment, c'est à adapter en fonction de votre niveau, je me répète. Vous pouvez également vous laisser mettre un gilet. Et évidemment, il faut bien manger pour prendre du muscle et du volume musculaire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu, à partager, à mettre un petit commentaire pour soutenir la chaîne et surtout booster le référencement sur YouTube. Et vous pouvez également cliquer sur le lien Utip dans la description. Donc nous, on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo les gars. Et encore merci pour tous ceux qui me soutiennent. Allez, ciao, ciao.